Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans ce petit vlog, nouvelle vidéo. On est content, on est à Orlando. Qui dit Orlando dit... Vacances. Ah ouais, qui dit Orlando dit... Disney, Lego. Qui dit Orlando dit... Peppa Pig. Et... Universal. Ça va être la folie. Mais en attendant, direction chez... Ils savent pas du tout où on va encore. Hein. Là c'est bizarre. Mais de là c'est bizarre. La surprise de ce soir, c'est qu'on va aller manger là-bas. Trop bien. Trop cool. Bon, du coup là je vous prends et on va aller jusqu'au buffet. Et je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Ça vaut le détour. Regardez qui est-ce qui est là. Oh, trop fort. Je me prends une assiette. Genre, regardez-moi le buffet de malade. C'est un buffet de dingue. Ça a l'air trop bon. Les brocolis et tout, je vais prendre ça là. Et le pire de tout, c'est que là, il y a des mac and cheese. Oh mon dieu. Bon, après, il y a plein d'autres choses. Mais honnêtement, je vais déjà commencer par ça parce que le buffet, il est gigantesque. Il va jusqu'au bout, sérieux. Des pâtes, des trucs à manger. Il est trop grand. Mais en fait, c'est le même de l'autre côté. Il m'a l'air trop bien. Ça a l'air trop bon. Donc voici mon assiette. Allez, c'est parti. On va à la table parce que il y a Dingo et Pluto qui sont dans la salle. Donc je me dépêche. Nous, on va les louper. Ouh, ça vient. Qui? Yes. Je vais vite chercher du ketchup. Je vais vite. Tu vas à mon avis louper, hein. Non. Le chef, il est là. Grace vient de le voir. Elle a fait la. Elle a fait la teuf. Alors franchement, c'est quand même génial. Ouais, c'est trop génial. Les enfants sont trop contents. Donc voilà, chef Mickey. Le buffet, il est vraiment très bon. Les mac and cheese sont magnifiquement bonnes. J'en avais trop envie depuis que j'étais arrivée ici. Donc je le conseille. Après, ça reste relativement cher. On est sur 60$ pour les adultes et 39$ pour les enfants. Donc voilà. Mais franchement, les enfants s'éclatent, les personnages viennent à table, c'est vraiment génial. Maintenant, place au buffet de desserts. On est sur ces petits desserts-là, trop mignons. C'est trop choupi, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Buffet de desserts, un crumble typiquement américain. Là, c'est les mêmes desserts. Bon, allez, je vais choisir. Je vais choisir ça, je pense. Ça a l'air trop bon. Alors du coup, une fois que vous avez payé l'addition et que c'est fait, vous pouvez passer faire une photo avec Mimi. Bon Lulu, on se retrouve. Regardez ce que j'ai. Je me crois en Polynésie. On est bien entouré avec Poussinette, Jaden. Trop bien. Ce matin, on va petit déjeuner au Ohana. L'hôtel est juste incroyable. Mais là d'abord, c'est petit déjeuner avec Stitch. Regardez-moi ça, la petite gaufre, forme de Stitch. Est-ce que c'est bon? Regardez-moi ça. Oh là là, ça a l'air trop bon. Allez, bon app. Hein. C'est rare de la voir. Dernier restaurant avec personnage, on mange ici. C'est parti. Alors du coup, on est dans un restaurant qui est à Epcot, dans le monde norvégien, juste à côté de la Reine des Neiges. Et nous allons manger ici en compagnie des princesses. Donc les princesses vont passer à table, donc ça va être chouette. Et puis on a hâte de découvrir ce restaurant, en sachant que à Disneyland Paris, il y a aussi l'Auberge du Cendrillon. Mais là, il va y avoir d'autres princesses, c'est ça qui va être fait. En plus, le cadre est magnifique, vraiment canon. Bon, on commence avec de la salade. C'est quoi? C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, je vais goûter. Je sais pas ce que c'est. Oh mon dieu, il y a de la cannelle.
Pourquoi tu pouvais pas me le dire? J'ai pas senti la canne. Ah, ça sent super fort. C'était pas sur la rillette. Ah non, non, c'était pas la rillette. Oh, on continue le repas. Alors, qui veut qu'on voit? Les princesses arrivent. On va manger. On va goûter ce que ça donne. C'est des corn dogs, c'est bon. Bon, la prochaine princesse, c'est la princesse préférée d'Elsa. Elle est happy, mais elle est deck parce qu'elle avait sa tenue à l'hôtel, mais elle était un peu mouillée encore. J'avais même acheté une tenue pour Grace, trop mignonne. Un dessert chocolat disparu. Là on est sur l'addition les gars, on est sur 221$ et ils nous demandent des tips, genre 37$ de tips, 41 ou 45, et je vais payer ça, donc voilà. Mais ouais, donc voilà pour les restaurants avec les personnages. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.